Salut à tous, c'est Fripon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Wii. La petite vidéo pour souhaiter à tout le monde une bonne rentrée. C'est vrai que j'ai coutume de sortir une vidéo dans ces périodes-là, parce que c'est des périodes un peu chiantes, et un petit peu de Mario Kart Wii dans ces périodes chiantes, ça fait plaisir. Donc, bonne rentrée à tous ceux qui reprennent le boulot ou les études, bon courage à vous. Et puis, bonne chance pour cette année à venir. Je suis en train de rager en fait sur ce monde-ci, c'est pour ça que je parais un peu blasé. Je me prends des trucs totalement improbables. À la fin, hein. Donc, encore si t'es au début, il n'y a pas de problème, on peut remonter. Mais à la fin, tu te tais et voilà, tu peux que rager. Bon, on est parti sur un volcan grondant en sans cesser, c'est pas top. Ce qui me fait peur, c'est les glitchers. Je crois pas qu'il y ait des glitchers parce que c'est une salle d'un très bon niveau. Je sais pas si vous avez vu les points. Ça joue très bien, c'est violent, mais ça joue très bien. Et donc, ça ne glitch pas, évidemment. Et on est parti avec la moto Mac et Peach. Ça fait à peu près une heure et demie que je joue. Hein, donc, je me suis échauffé, on va dire. Donc, j'ai pas trop l'excuse d'être rouillé, on va dire. On va essayer de choper un item que je n'ai pas réussi à choper. Il en faut un pour cuter quand même. Hop, voilà. Champi, c'est parfait, on fait gaffe, on surveille les items et on se concentre parce que c'est du sans cesser. Oh non mais, ouf, il m'a sauvé la vie. Ça passe ou pas? Ouais, il m'a ça passe, yes. Improbable, un bum qui allait m'éjecter et un autre bum qui me sauve la vie. On est déjà dans du gros bordel. C'est Mario Kart, la bleue est lancée. Ah, ça pousse en sans cesser, on est d'autant plus désavantagé par le poids, je trouve, hein. 6ème. Allez, j'active. Je crois qu'il a une rouge. Hop, j'esquive. Tout le monde a des rouges. Est-ce qu'on va réussir à garder ce champi? Ce serait le plan. Mais est-ce qu'on va réussir? Faire gaffe au backspam. On va prendre large. Je fais pas confiance à Air Lyon. Il joue très bien, mais je lui fais pas confiance. Ça passe, ça passe. Bien sûr que ça passe. Ça lag un peu, hein. Je suis un petit peu déstabilisé aussi parce que j'ai un nouveau micro et qu'il n'est pas placé comme d'habitude. Il est dans mon champ de vision, donc ouh, je suis premier là, intéressant. J'esquive le pot grâce au champi. Bon, il est juste derrière moi. Il est juste derrière moi. On va garder. Ah tiens, peut-être ici ça peut faire mal. Bien joué. Il avait un champi. L'éclair est bien tombé. Non, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh là 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 là! Allez, allez, passe devant, tiens. C'est-à-dire qu'il va y avoir la bleue. Donc c'est-à-dire que je vais choper le champi. Impossible. Non. Il faut pas exagérer. Je tente pas de le rouger, il a une banane et en plus, derrière, je peux me faire sanctionner direct. Par contre, là... Oh, tu vois, la bleue, non, c'est énorme! En plus, c'est lui qui se la prend. Oh, ouais. Il a eu la chance, Stone. Hein. Je me suis dit, moi aussi. Et par contre, Phaser Stop, on n'a pas eu. Pauvre Phaser Stop, il avait réussi à cuter au dernier tour en sans cesser. Voilà. Mario Kart Wii, tout simplement. J'ai changé de micro, d'ailleurs, faudra me dire si la qualité est mieux ou pas. Normalement, la qualité devrait être mieux, mais il faut que je fasse des tests encore. Donc, on a Stone, on a Air Lyon, on a Nico, D, Black, Phaser Dead, le seul que je connais dans le monde. Akasia, Léon, Solo et WCE. Vous avez vu, ils ont tous pratiquement eu une pointe. Donc il y a du niveau. On est parti pour la prochaine course. Usington en miroir, ça va pas tenter le cut Noshroom, hein. Ça c'est clair. Ça va être très difficile cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et on est dans un monde très relevé. Donc si je veux me concentrer, faut pas trop que je parle, quoi. Ok, Phaser Stop qui a essayé de me rouger, je crois. C'est de bonne guerre. On va faire gaffe à la rouge devant. On va prendre large ici, c'est trop risqué. Est-ce que ça tente le cut Mushroom ici? Non, il tente pas. Je pense qu'ils ont le niveau pour le tenter, mais en miroir, c'est trop risqué. Non, j'ai pas réussi le low jump. Et Phaser... Non, c'est bon. On le surveille, mais ça devrait être bon. Il n'a pas eu de chance, le pauvre.
Par contre, ça backspam en face, vous voyez. Donc on surveille. Est-ce que je peux tenter un truc là? Bien sûr, je peux tenter. Bien sûr! Non, c'est pas passé. Normalement, c'est pas moi qui lag parce que j'ai une bonne connexion. J'ai la fibre depuis pas très longtemps et du coup. Quand ça lag, ça vient pas trop de moi en général. Pour une fois. Quatrième. Je sais même pas qui est premier. Je crois que c'est. C'est qui? C'est qui est premier? Je sais pas. En tout cas, je surveille le mec devant moi parce qu'avec ses trois vertes, il me fait un peu peur. Tu vois? Est-ce que je peux l'avoir là? Il a des vertes. Ah. Ok, Lyon, t'es sur ma liste. Voilà. Non! Putain, faut que je me barre! J'ai eu l'item. Ah, dommage! Ah, oh, désolé pour toi, Lyon. T'as fait trop le malin avec tes vertes. Toi, pareil, tu me fais peur avec ton zap. Non. Ouf! Eh, hey, il vient d'avoir! Il vient d'avoir! Oh, c'était clair, il était vraiment mal tombé. Hein. Là, je suis bonne paix, je peux rien faire. Un petit low jump à la fin. Et sixième. Bon, la fin un peu. Un peu pas terrible en fait, parce que je me fais pousser, en plus avec le zap que je devais esquiver, le pot qui me foire un peu le virage. Enfin bref, sur Usine Todd, je me plains pas, parce qu'en général, ça me réussit pas trop cette map. Sixième, 12 joueurs, il y a du niveau. Et donc, on continue. Oh là là, ça va rager. Ça va rager intérieurement sur Arc-en-Ciel. Trop de bump. Déjà, pas mal cette première. Oh, voilà, qu'est-ce que j'avais dit? J'allais dire pas mal comme première ligne parce que j'étais passé entre tous les funky, mais en fait, non, j'ai pas échappé. C'est pas grave, ça se remonte, ça se remonte. Bon, je vais quand même donner rapidement de mes nouvelles et justifier l'absence de vidéos de 6 mois. Même si vous savez que maintenant, je prends des pauses sans prévenir et... d'une période indéterminée à chaque fois. Bon, je reviens en général tous les 5-6 mois. C'est un peu la moyenne. Mais vous êtes habitués, donc voilà. De toute façon, je fais jamais de promesses comme quoi je suis revenu de manière régulière et stable. Donc voilà, il n'y a pas de surprise de votre côté. Mais néanmoins, j'ai quelques arguments pour expliquer la pause qui a survenu. Parce que normalement, j'étais censé poster encore des vidéos après la dernière vidéo de... du 2v2 avec Kazuki, pour ceux qui se rappellent, ou pour ceux qui l'ont regardé tout simplement. J'avais même 4 vidéos de prévues à poster après celle-ci, sauf que mon ordi a planté. Donc, j'active. Pourquoi j'active ici? Parce que je sentais qu'il allait mettre l'éclair. Même si c'est pas... Faut que je le touche. Ah non, c'est pour moi là. Non. Allez, peut-être un item. J'ai pas eu d'item. Oui. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, je voulais prendre un item pour me protéger de la rouge, mais j'avais carrément chopé un zap. Et ça m'a pas réussi du tout, de toute façon. Oh là là, catastrophe. De toute façon, dès que je parle d'autre chose, c'est impossible de jouer dans ce genre de salle. Et dans ce genre de circuit aussi. Donc je reviens où j'en étais. Oui, j'avais prévu de poster 4 vidéos juste après la vidéo du 2v2 KO. Oh là là, génial. Mais mon ordinateur a rendu l'âme. Et oh là là, mais c'est incroyable. Injouable, hein. Et du coup, j'ai perdu les données, notamment les vidéos et puis plein d'autres trucs, en fait. Des données perso, mais tout ce qui a à voir avec la chaîne, du coup, j'ai perdu les vignettes, les vidéos, j'ai perdu l'introduction de mes vidéos. Donc là, d'ailleurs, sur cette vidéo, il n'y aura pas d'introduction, vous l'aurez remarqué, c'est pour ça. L'éclair est tombé il n'y a pas hyper longtemps. Je vais pas l'activer tout de suite. J'attends de passer les boosts. Donc ça m'a un peu démotivé tout ça. Allez, j'active maintenant. De toute façon, faut que j'active hein, parce que je prends risque de le perdre quand je l'active pas. Même si c'est pas le meilleur endroit. Voilà, pas terrible. C'est pas grave. De toute façon, j'avais dit que cette map ça allait pas très bien se passer. Quoique, on peut peut-être. Oh là 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 là, bon, non, laisse tomber, y'a rien à faire. Y'a rien à en retirer de cette course.
Et donc le fait d'avoir perdu mes données, forcément ça m'a un peu démotivé, j'avais plus trop la tête à refaire des vidéos. J'avais perdu la dynamique en fait, parce que c'est vrai que j'étais dans une bonne dynamique, hein. J'avais posté pas mal de vidéos, je crois que j'en avais posté plus de 10 en 2 mois, ce qui était pas mal hein, par rapport à ce qui était fait avant. Donc voilà pour l'explication, et puis après voilà, j'ai été pris dans d'autres trucs et j'avais un peu oublié la chaîne. Bon allez, on est parti encore pour 2-3 courses, la vidéo sera pas très longue parce que après il y a le tennis. Et ça, je peux pas rater les matchs qui arrivent. Donc, on est parti avec 11 joueurs prévus. C'est parti pour Gore Champignon. Vous avez vu, j'ai toujours le tag IRL. Le même tag que j'avais quand on a fait le 2v2k avec Kazuki. Et pour la petite anecdote, on a fait un autre IRL et cette fois-ci, en plus de Kazuki, il y avait Totom. Donc j'ai eu l'honneur, le grand honneur de voir Totom. Qui est extrêmement sympathique. C'était très très cool comme moment. Et donc du coup, on avait voulu faire un 3v3 KO. Donc Totom, Kazuki et moi. En équipe. Et là, ça n'a pas été hyper glorieux parce que on a organisé le truc, on a cherché les joueurs. Et on s'est fait éliminer dès le premier GP. Alors qu'on voulait faire une vidéo, hein. J'avais filmé, j'avais préparé le micro et tout. On s'est fait sortir dès le premier GP en même temps. On se faisait pas trop d'illusions parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. Totom aussi, Totom d'ailleurs, ça faisait des années qu'il n'avait pas joué. Donc c'était compliqué. Bon, enfin, c'était marrant cette défaite prématurée. Alors là, il y a peut-être un truc à faire là avec l'étoile, non, dommage. Alors c'est marrant parce que quand je vous parle de tout ça, je fais pas trop attention au jeu et je me retrouve premier, je sais pas comment, avec une avance qui est pas trop nulle. Donc, on va se concentrer un peu. Donc oui, sorti au premier GP et finalement, on s'est rendu compte à la fin du premier GP qu'on n'avait même pas mis le micro sur on. Donc décidément, cette vidéo ne devait pas voir le jour. Hein. Enfin bref, un petit coucou à Totom du coup. Et à Kazuki d'ailleurs, qui regarde cette vidéo. Troisième tour, je suis premier, c'est un miracle. Qu'est-ce qui va se passer là? Je prends pas le risque de... Oh la vache. Alors vous avez vu, c'est ça. Quand je vous disais au début de la vidéo que on arrive toujours des trucs à la fin, vous avez la parfaite illustration. C'est improbable ce qui s'est passé quand même là. Hein. J'étais premier. On va activer. Je tente pas le cut. Je tente le cut. Et ben voilà. Faites jusqu'au bout. En miroir, je suis pas habitué. J'aurais pas dû tenter. Oh là là, je reprends même pas mon départ. Ouais. Aïe 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 aïe. Ce monde. Ce monde. Enfin bref. C'est pas grave. 11 joueurs. Il y a du niveau, hein. Vous voyez bien que les joueurs ont 8000, 9000 points. Mais c'est pas très grave, ça fait quand même plaisir de vous proposer cette vidéo. Et donc on est parti pour encore deux courses. Pour les deux dernières courses, je vais pas trop parler, je vais essayer de me concentrer pour proposer du beau jeu. Parce qu'on est là pour du beau jeu quand même, non? Et donc on va voir si on peut s'en sortir avec plus de concentration. On va prendre large. Et une déco ou quoi? Parce que je viens de passer de 5 à 4. Oula, tu m'as raté RD Black. Je vais garder la rouge, pas la peine d'utiliser. Ouf, ça fait peur la verte. Pas la peine de larguer la rouge pour l'instant. On prend large. Parce que ici ça, c'est un endroit à backspam. Oula, ok. Je prends de la spi, allez je prends de la spi, yes. Ça m'étonnerait que je garde la première place longtemps. J'aurais pas dû activer le champi maintenant, mais en fait, j'ai tellement peur de la rouge ou de la bleue. Enfin, de toute façon, j'ai bien fait parce que j'aurais perdu le champi avec l'éclair. Impossible de rester premier longtemps dans ce monde. Hein. L'étoile qui arrive. Faut peut-être jouer l'item là. Hein. Faut peut-être. Oh là là, j'ai failli me faire tuer. Allez, passez. Je prends un risque, hein, mais il faut prendre des risques.
C'est pas l'item que j'aurais voulu avoir, mais pourquoi pas. L'éclair est tombé, il y a un tour. On va attendre encore un peu. Oh, oh là là, non, c'est immonde. C'est immonde ce qui se passe. Oh là 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 là, non, il y a rien à faire. Tu peux pas. J'active le bill maintenant, mais... On va pas me faire monter grand-chose. Oh, quand même, hein, c'est pas ridicule. Je préfère ça que 10 ou 12. Ouais, elle m'a pas porté chance, la map. Ah. On a ND Elia qui a rejoint avec 9600 points. Sur ces serveurs, quand même, c'est une très belle côte, ça. Bon, sur Plage Pitch, malgré la concentration, ça reste aléatoire. Hein. Espérons que la dernière map sera plus technique. Bon, après Plage Pitch, Jardin Pitch. C'est marrant la coïncidence. Je peux pas ne pas faire une bonne place. Il faut vraiment que je me concentre là. C'est du sans cesser malheureusement, mais on va essayer de jouer au mieux. Concentration maximale. C'est pas grave si j'ai pas d'item pour l'instant. On aura tout le temps d'en prendre un. Oula, heureusement que j'ai annulé le wheel. Là, c'était réflexe. Pas de chance. Ah, là, c'est moi qui ai pas de chance. Il y a peut-être un item, là. En 10, c'est pas mal. Étoile, c'est parfait. On va la conserver un petit peu. Et on combinera nos items avant le cut du début de la map. Qu'est-ce que je fais? En plus, le mec a 3 rouges. J'ai pas envie d'utiliser mon étoile maintenant. Si je prends serré, c'est bon. Pas terrible ce début de course, c'est pas grave. On reste concentré. Ça peut s'activer maintenant, pas besoin d'attendre plus. Yes! Ouf! Ça c'est de la chance là, le pot qui arrive juste avant la fin de l'étoile. Bon, je pense que l'éclair va pas tarder à tomber. Je tente ou pas? Est-ce que je tente? On parle, mais ça va tomber maintenant. Allez, hop, on active. Allez, allez! Allez, allez, allez! Non, ça tombera pas. Dommage. Ouf, c'est pas mal ceci dit, 3 vertes, hein. Ok. Est-ce qu'on tente des snipes sur le phaser? Bien joué, phaser. J'ai été attentif. On va faire gaffe au backspam parce que Phaser il rigole pas. Wouh! Je suis concentré mais là ça devient très dur là. La bleue est lancée, c'est pas mal. J'ai pu avoir l'item. C'est pas terrible. Je peux avoir mieux. Ça c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Phaser, tu vas me laisser la première place, n'est-ce pas? Oh là là, quelle course! Ah, ça fait plaisir de finir sur une course comme ça. Mais de la chance, hein. Les 3 champis sont bien tombés, la bleue pour le premier. Et le petit duel à la fin avec Phaser Dead. Ça fait plaisir de le voir, Phaser Dead. Hein. On se croise souvent, et c'est marrant parce que je joue pas tant que ça. Mais quand je le croise, alors je sais pas si lui joue souvent ou si c'est vraiment des coïncidences. En tout cas, ça fait plaisir. On va se laisser sur cette victoire. Donc, de toute façon, le but de la vidéo, c'était de vous souhaiter une bonne rentrée. Je sais pas si je proposerai d'autres vidéos. Je verrai en fonction des retours sur cette vidéo, d'ailleurs. Et puis de la motivation, et puis de mon temps libre. Hein, donc, on verra tout ça. Hop, j'ai pas réussi à quitter. Donc, j'espère que ça vous a plu. Bon courage pour cette année. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.